C'est ta focalisation que j'ai pris. Je filme la lauréate du concours de la nouvelle lycéenne. C'est moi. Dont l'article va paraître prochainement dans le Schmilblick. Alors, vos impressions? Mes impressions? Rien en fait, j'ai rien à dire. Ah, c'est super, voilà. Non, mais en fait, j'ai rien à dire. De quoi parle votre nouvelle? D'un Africain qui arrive à Paris et qui déambule dans la ville de Paris et qui découvre comment c'est qu'une ville française. Ah oui, d'où vient votre inspiration? La Cheuse. J'ai pas trop d'inspiration. En fait, je me suis aidée d'un plan de Paris, mais autrement, avec tous les monuments, c'est tout. On sait très bien que vous êtes une grande voyageuse qui a subi quelques influences parmi les gens que vous avez rencontrés, parmi les nombreux nomades, Touareg, qui vous ont toujours intéressé. Pourtant, vous êtes une fille des villes. Et votre inspiration vient de la piste. Oui. Tu t'inspires de moi aussi, Diane. Oui, de Julie aussi. Julie est ma grande inspiratrice. Ah oui, alors Julie... Et de Julie, même. Les deux Julie, vous avez un mot à dire Julie. Sur cette inspiration? Et dites-les de Julie. Comment avez-vous été les muses de cet auteur? Je sais pas quoi, vas-y réponds à l'honneur. Je sais pas trop. Les Julie d'abord. Je pense que la réponse pourrait peut-être venir de Diane, quoi, parce que... C'est le camion et on a été naturel et puis voilà. Vous avez croqué vos personnages sur ces deux profils que je viens de filmer. Donc c'est elles qui vous ont inspiré. Personnalité, oui. Personnalité, alors les connaissez-vous mieux qu'elles ne se connaissent? Non, peut-être pas quand même. Alors vos personnalités? Hein? En deux mots, Julie? En deux mots? Un petit peu excitée. Ouais, un petit peu folle. J'ai une fille folle, oui. J'aime faire la fête. Oui. J'aime voyager. Oui. Et Julie? Je sais pas, décris-moi. Non, décris-toi, tu te connais. Que moi, je te connais. Je sais pas. Un mot de la sportive du groupe. Qui a inspiré aussi notre auteur, un petit peu aussi. Décris-toi à la caméra. Voilà, parce que là, je fais un film sur les romans, enfin, sur les nouvelles de Diane Savéant. Dont la nouvelle a été sélectionnée pour sa réussite. Mais qu'est-ce que je dis, moi? T'es sportive. Alors vous êtes une fille qui l'a inspirée, d'après ce qu'elle me dit. Quoi? Mais Jojo, vas-y. Elle aussi, elle m'a inspirée beaucoup, elle fait partie de l'année. Non, c'est de Châteaubriand, mais Châteaubriand, Vous l'avez trouvé? Non, on ira chercher tout à l'heure. C'est carrément de l'autre côté. Et là, c'est les aventurières. Alors là, c'est les aventurières, parce que là, je fais un tournage sur les inspirations de Diane qui s'est servie de vos personnages pour écrire sa nouvelle. Ah oui, Diane. Si vous pouvez vous décrire en tant que muse. Ah oui, parce que t'as gagné le concours là. Non, je sais pas, c'est pas un concours, non, mais c'est son truc. Vous savez, le Schmilblick avait organisé un concours pour la meilleure nouvelle sur l'Afrique. Et c'est sa nouvelle qui a été retenue, vous la lirez dans l'article prochainement. J'ai lu, moi. Mais c'est les nouvelles j'ai lu, que tout le monde avait fait sur l'Africain. Ouais, ouais. C'est sur, j'en avais donné une dizaine. Ouais. Et les rédacteurs ont choisi celle de Diane. C'était qui les rédacteurs? C'était un groupe de première STT notamment.
Et il sortira quand, je lui dis que... Il sort sans doute dans les 15 jours qui viennent. Voilà, donc... J'arrête le reportage là-dessus. Un dernier mot. Nous avons d'autres auteurs d'ailleurs, puisque Carole en avait fait partie. Bon. Qui arrive directement du Sahel, du désert mauritanien, dans lequel elles ont rencontré Liv Joris, qui leur a présenté SAS et qui leur a parlé de pistes et d'asphalte. Voilà. N'est-ce pas? Tout à fait, oui. Alors, nous avons vraiment été passionnés par ce qu'a raconté Liv Joris. Oui. C'est une femme extraordinaire qui a beaucoup voyagé. Oui. Et notamment, l'asphalte vous a inspiré? Oui, beaucoup. Oui. Oui. Qu'est-ce que vous avez à en dire? C'est une poudre grise. Mauvaise question. ce qu'on en a à en dire, c'est que ça donne un peu envie de voyager. Ouais. De pas qu'un peu. Voilà. Surtout qu'après, on a vu une exposition avec des photos de paysages qui donnent vraiment envie de voyager, qui font rêver. Des paysages de quelle région? D'Afrique. Oui, il y avait le Sahara aussi. Oui, le désert du Sahara, oui. D'ailleurs, on vous a pris en photo dans ces déserts. Il y a un photographe célèbre qui vous a immortalisé sur une pellicule. J'ai ce bonheur. Merci de votre entretien. Je crois que nous sommes attendus à la prochaine fois au cœur du désert mauritanien, peut-être.